chaise. On est tous pocheurs de chaise. Dans les épisodes précédents, je racontais comment des centaines de citoyens avaient réquisitionné des chaises dans les banques impliquées dans l'évasion fiscale pour organiser un sommet citoyen sur l'évasion fiscale et la transition écologique. Après cet événement, on a décidé de remettre les 196 chaises à la justice. Depuis le départ, les faucheurs de chaises, c'est un mouvement de désobéissance civile. Ça consiste à mener des actions qui sont illégales, mais qui nous paraissent légitimes. Ça repose sur la conception du rôle du citoyen dans une démocratie qui n'est pas d'obéir aux lois de manière aveugle sans se poser de questions, mais qui est de faire d'abord ce qui est juste. Or, parfois, la loi n'est pas juste, ou n'est pas assez efficace, ou n'est pas appliquée de manière suffisamment efficace pour garantir des conditions de justice. C'est ce qui se passe avec l'évasion fiscale. On vit une injustice. Donc, le fait de prendre des chaises dans des banques, c'est une action qui est illégale, mais qui nous paraît légitime pour révéler cette situation plus générale d'injustice. La désobéissance civile, c'est donc faire une action qui est illégale, mais pas pour rejeter le principe de la loi. Au contraire, pour demander à ce que la loi soit plus efficace et soit plus juste. C'est pour ça que remettre les 196 chaises à la justice, ça avait du sens. On voudrait que la justice intervienne sur le sujet de l'évasion fiscale avec plus d'efficacité, avec plus de moyens. Et donc on est des centaines à se réunir à Paris avec ces 196 chaises et à se diriger vers le palais de justice pour les remettre à la justice. Et pas n'importe quel jour, le jour de l'ouverture du procès de Jérôme Cahuzac, qui s'était brillamment illustré sur le thème de l'évasion fiscale, ayant été pris la main dans le sac de ses comptes à l'étranger non déclarés, alors qu'il était ministre du budget en charge de la lutte contre la fraude fiscale. Donc on voit bien aussi comment le système marche sur la tête. Et donc on approche du tribunal, on y est presque, et là il y a une ligne de policiers qui barre le passage et qui nous empêche d'accéder au tribunal. On décide donc de déposer les 196 chaises devant les policiers, et on déclare à la presse qu'on remet les chaises aux policiers et qu'on leur laisse le soin de les remettre à la justice. À partir de ce moment-là, la balle est dans le camp des autorités. On n'aura pas de nouvelles depuis de ce qu'il est advenu de ces 196 chaises. Par contre, à partir du moment où la lumière de la COP21 s'est éteinte, de plus en plus de personnes ont été convoquées au commissariat pour avoir participé à des réquisitions citoyennes de chaises. Et puis planent des rumeurs, des menaces de procès, mais ça n'aboutit pas. Jusqu'à ce qu'arrive mon tour où je suis convoqué au commissariat. Et là, le vice-procureur de Dax décide de me poursuivre en justice. Et donc je suis convoqué au tribunal de Dax le 9 janvier 2017 pour avoir participé à une réquisition citoyenne de chaises. Alors, ça fait de moi le premier faucheur de chaises poursuivi en justice, mais il y a beaucoup plus de gens qui se sentent concernés, parce que les faucheurs de chaises, c'était des centaines de personnes qui ont réquisitionné les chaises, c'était des centaines de personnes qui avaient appelé, qui avaient soutenu, c'était des milliers de personnes qui étaient au sommet des 196 chaises. Donc, tout le monde se pose la question, comment on va pouvoir réagir à ce nouvel épisode ? Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.